Je suis Parissima, je suis Chaparak Saleh. Je m'appelle Aurélie Trottange. Depuis 1979, le régime islamique est un régime très violent, totalitaire, qui réprime toutes les libertés du peuple iranien. Avec la mort de Mahsa Amini, le peuple iranien s'est réveillé. C'est à ce moment-là qu'une révolte forte est née en Iran. Le régime, pour exercer sa mainmise sur le peuple, il a déjà annihilé une moitié du peuple, c'est-à-dire les femmes. Il faut savoir qu'en Iran, les femmes n'ont pas le droit de faire du vélo, de la bicyclette. Elles ne peuvent pas divorcer si elles le souhaitent, ça doit être soumis à l'autorisation de leur mari. Elles ne peuvent pas non plus danser, chanter, exprimer leur liberté dans la rue. Si elles veulent aller à l'hôtel, elles doivent demander l'autorisation de leur mari. Manifester aujourd'hui en Iran est un crime. Tous les manifestants risquent la peine de mort. Les Bassidis choisissent dans les manifestations les plus jolies femmes, qui les emmènent, qui les violent et qui les visent dans les yeux ou dans le vagin pour les réduire au silence. Le régime vit ses dernières heures. Pour le pousser à bout et se débarrasser de lui, on a besoin d'un coup de pouce de l'extérieur. Aujourd'hui, le régime est très riche, contrairement au peuple qui est très pauvre. Et il faut absolument l'isoler diplomatiquement et financièrement, ce qui suppose d'inscrire les gardiens de la révolution et tous les membres importants de ce régime sur la liste des organisations terroristes. L'association Femmes Azadi est une association que nous avons montée avec 9 autres femmes franco-iraniennes qui viennent de milieux divers et variés. Puis on a commencé à en mettre en place des actions de plus en plus fortes. On a commencé avec une vidéo qui s'appelle Allô le monde, qui a été vue à plus de 10 millions de reprises sur les réseaux sociaux. On a essayé d'obtenir des photos de l'intérieur du pays et c'est très compliqué. La moindre photo qui serait prise peut conduire à la mort de celui qui la prend. Et donc on a décidé de faire une exposition qui porterait la voix du peuple iranien d'ici, en France. Nous avons organisé cette exposition et cette journée de conférence avec le MoDem qui nous a apporté son soutien, qui nous a montré son engagement. C'est le premier parti politique qui nous soutient aussi fortement dans notre démarche. Le combat des Iraniens aujourd'hui est un combat d'un courage absolu. Ils se battent pour leur liberté, ils se battent pour un Iran démocratique. Et c'est par conséquent le devoir de la communauté internationale et de toutes les démocraties de porter la voix de leur combat, comme le fait le MoDem aujourd'hui.